La Russie et l'Ukraine poursuivent leur offensive sur le front de l'information. Les belligérants s'accusent mutuellement d'être à l'origine de l'accident de l'avion de combat russe qui transportait des prisonniers de guerre ukrainiens. Ces images fournies par le comité d'enquête de la Fédération de Russie, diffusées jeudi soir, montrent le site où s'est écrasé l'IL-76 dans la région de Bolgorod, près de la frontière ukrainienne. Chaque partie mène son enquête et impossible pour l'ONU de vérifier les éléments matériels qui permettraient de déterminer les causes du dommage. We understand both Russia and Ukraine are conducting separate investigations into the incident, and Ukraine has called for an international probe. The United Nations is not in a position to verify these reports or the circumstances of the crash. Côté ukrainien, les frappes menées par Moscou ont fait plusieurs blessés dans les zones résidentielles et causé d'importants dommages sur les infrastructures dans la région d'Odessa au cours des deux derniers jours. Dans cette région comme dans celle de Mykolaïv, 11 drones russes auraient été abattus selon les autorités ukrainiennes dans la nuit de mercredi à jeudi.